Il me l'a déjà dit tout à l'heure. Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Donc aujourd'hui il fait beau, on est dans le jardin avec les enfants que je ne montrerai pas. Donc voilà, donc je fais une petite vidéo ouverture de boîte aux lettres rapide parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la refaire, sinon. Et le temps d'organiser tout ça et de vous montrer, je vous montre vite fait l'autre côté. Voilà mon jardin. Voilà. Non, il va se faire mal, il va se faire mal. Donc là, il fait beau, donc on revient nos moutons. Du coup, j'ai eu deux petits courriers dont je suis très contente, puisque c'est vrai qu'en ce moment, je poste pas beaucoup. Je fais mes petites créas de mon côté. J'ai plus de moments, en fait, pour faire les vidéos. Donc, les moments pour faire les vidéos, c'est des moments de calme, des moments où je peux être toute seule. Swedja, il grandit, donc il s'est appelé, il s'est réclamé. Et Nadia, il va tourner. Il y a une pente quand même. Merci. Il va tomber. Oui, parce que là, ils initient le petit de 16 mois à rouler dans la pente. N'importe quoi. Donc du coup, je m'étais empressée à ouvrir mon courrier. Donc oui, j'ai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos tranquillement. Comme il bouge pas mal, il fait aussi beaucoup, pas mal de bêtises, donc il a besoin de pas mal de surveillance. Donc, j'ai reçu une petite enveloppe de Karine. Karine, magnifique courrier, parce que je suis en train de l'ouvrir. Alors, donc en plus de gérer mes trois, il faut que je gère les enfants du voisin. Mais bon, après c'est parce que je le veux bien, donc voilà, enfin bref. Du coup, Tilou, Karine, elle m'a fait une magnifique carte avec des tampons de chouchou. Alors ceux-là, je les ai pas. Ils sont dans mon panier, mais j'attends le meilleur moment pour les commander. Et pour l'instant, ce n'est pas le meilleur moment pour commander. Donc voilà. Mais même si je les ai après Pâques, c'est pas grave. Je ferai l'album de Pâques. Donc après encore quelques rappels aux règles. Je vais réussir à lire ce courrier de Karine. Hein. Vous ne voyez pas les minutes défiler parce que ce sera en un seul bloc. Mais bon, je suis obligée de m'arrêter toutes les 4 minutes pour faire un petit rappel aux règles. Enfin bref. Donc Karine qui me souhaite à toute ma famille et moi-même de joyeuses fêtes de Pâques. Et je te retourne la belle intention Karine. Je te souhaite également de joyeuses fêtes en famille avec le beau soleil. J'espère que tu l'as aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup plaisir à recevoir... ta lettre, ton courrier. Je sais pas si je vais pouvoir te répondre dans l'immédiateté, mais en tout cas je te fais plein de bisous et je te remercie énormément pour cette petite lettre. Et si j'avais un courrier à te répondre, je t'aurais dit PS, t'es pas dans l'obligation de m'envoyer la petite chose dont tu m'en parles par la suite. Voilà, il n'y a aucune obligation. En tout cas, juste ta carte pour me souhaiter de belles fêtes de Pâques, ça me suffit amplement. Voilà, je me satisfais de pas grand chose, une petite attention et c'est suffisant pour remettre du soleil supplémentaire dans mes yeux et dans ma petite tête. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un gros colis. Alors, quand je reçois, je vais vous montrer, hop, un colis avec du scotch argenté comme ça, du gros scotch argenté, j'ai pas besoin de savoir de qui ça me vient. Je sais que c'est Camille. Donc Camille, j'ai reçu ton colis et je te remercie Camille qui m'envoie un petit message hier soir pour me dire je vais recevoir un colis. Et quand je l'ai vu sur la table ce soir en rentrant, je me suis dit bah tiens, le colis de Camille est déjà arrivé. Et quand j'ai regardé, j'ai dit ah oui, c'est bien Camille. Donc voilà, petite plaisanterie, mais je suis aussi très contente d'avoir reçu ce colis, sachant qu'il est bien garni. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer les petites choses, donc toujours en caméra qui bouge dans tous les sens, je suis désolée, en plus ça va vous donner le tournis et tout. Donc j'ai reçu pas mal de petites serviettes de Pâques, ça va faire la décoration de table, je vais pas faire du serviettage, j'ai pas acheté les serviettes de Pâques, donc j'espère que t'as pas nettoyé ton bureau, t'as pas passé les lingettes au gel hydroalcoolique, je blagouille. Et celle-ci aussi, donc comme il y a un petit paquet, donc je vais pouvoir...
garder une ou deux pour des albums ou pour du serviettage, mais le reste, ça va aller en décotable. Ça m'arrange, ça m'arrange. Et c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Si j'ai vu des petites choses en levant les premiers petits cadeaux, mais j'ai reçu aussi. J'ai essayé de voir si comme ça, ça fait beau. Non, ça fait pas beau. Ça fait pas beau, ça fait pas beau. Les commentaires de mes enfants sont toujours les bienvenus. Hop. Oh. Du coup, je pense que je vais plus être interrompue par les enfants. Donc Camille, elle m'a fait une petite carte avec les tampons de chez Chou. Je suis gâtée avec les tampons de Chou. C'est trop bien. magnifique tampon. Celui-là, je ne l'ai pas non plus. J'ai, en tout cas, dans les fleurs, vu que je ne suis pas très, très fleur en tampon, j'ai que la gerbera parce que c'est une fleur que j'aime bien. Et je crois que c'est tout. Les tampons, en tout cas individuels des fleurs de chez Schwann Flower, il me semble que j'ai que la gerbera. Oui, ben, il me semble, mais j'ai que la gerbera. Donc voilà. Et dans ce petit mot, je te souhaite encore un bel anniversaire. Mais oui, parce que mon anniversaire, c'était le 4 avril. Et ben, je te remercie. Encore Camille. Prends soin de toi et de ta famille. Bis Camille. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu me l'as déjà souhaité. Je t'ai déjà dit merci, mais je te remercie encore Camille, sachant que là, dans le colis, il y a énormément de choses. Moi, je n'ai pas fait de colis de Pâques cette année. Vraiment, j'y avais tout cœur à y penser, à y faire, mais je n'ai pas eu le temps. Ma batterie me dit qu'il s'est éteint dans 30 minutes. Je ne vais pas avoir 30 secondes pour le finir. J'ai eu un petit... Coucou! Allez, changement de décor! Je dis re-coucou, mais vous y voyez que du feu. Changement de décor, changement d'ambiance. Il est 21h passées. J'ai dû couper. Enfin, mon téléphone s'est coupé tout simplement. Il n'y a plus de batterie. Et puis, temps de rentrer les enfants, de ranger la cour. Enfin, voilà. Bref, on en était à la jolie. Au joli petit trombone checker qu'avait fait Camille de la chaîne Camille Scrap. En vidéo, donc elle m'en a envoyé une qu'elle n'avait pas osé secouer parce que elle venait tout juste de coller. Ben du coup, moi j'ai fait que j'ai collé. Donc voilà, à mettre sur mon planeur. Je pense que ça va être très plaisant d'avoir un petit paperclip supplémentaire sur mon planeur. Et mes collègues, ça va les interloquer encore une fois. Mon planeur, déjà, je l'ai fait moi-même. Et à chaque fois, ça les interpelle. J'avais vu juste que Camille, tu avais fait deux petites lettres pour mes enfants. Et du coup, là, ils sont au lit. Je vais juste vous montrer, du coup, le devant. Donc, elle avait fait une carte Ruben, Pâte Patrouille. Et ça tombe très bien, Camille, parce que dans la Pâte Patrouille, c'est son personnage préféré, Ruben. Mais je lis pas le mot, hein. Je lui laisse l'honneur et le privilège de lire le mot, mais je te remercie en tout cas de la petite attention que tu as accordée à mes enfants. Et celui d'Enalia, c'est celui-là. C'est très très joli. Donc ça, super aussi. Bah, Enalia, ce sera pareil. Elle aura l'honneur et le privilège de lire ta petite carte. J'espère qu'il y a une invitation au barbecue en Haute-Savoie. Cet été, on sera peut-être assez sérieux ou je sais pas. Alors, du coup, juste avant les petites cartes, il y avait celui-ci. Alors, c'est sur la chaîne de Camille que j'ai entendu parler de ce nouveau support. C'est un Kiss et je ne connais pas. J'ai entendu parler rapidement, Camille, dans une de tes vidéos de ce petit support. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne me suis pas renseignée, à vrai dire. Vous voyez, on est le 14 avril aujourd'hui. Je voulais faire le défi de Schwann Flower. D'ailleurs, je l'ai commencé. J'ai commencé la colorisation et tout. Je n'ai pas pu découper, pas eu le temps de découper. Il faut que je regarde si le concours il est jusqu'à minuit ou pas. Jusqu'à minuit, ça me laisse 2 heures pour tout finir. Et de poster ma créa sur les thèmes des 4 saisons. Tout était prêt, le fond est prêt, enfin tout est prêt, j'avais juste à coller mes trucs, mais pour ça il faut que je découpe et que je colle. J'étais très 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 contente d'apercevoir
ça. Et je pense que tu t'en doutes de quoi ce que c'est. Titit, elle m'a offert trois brosses. En plus, c'est aux couleurs de Pâques. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, c'est aux couleurs de Pâques. Et en plus, ça fait... Tu pourras dire à tes partenaires, hein, Camille, que si tu en vois d'autres, c'est bien aussi parce que ça... Moi, je peux tester du coup en réel la texture par rapport aux petites brossettes que j'ai déjà. Elles sont beaucoup plus douces et beaucoup plus souples que ce que j'ai. D'ailleurs, moi, j'ai une brossette que j'ai dû jeter parce qu'elle est devenue très très rigide et c'était compliqué à utiliser pour faire des fonds de cartes avec les packs d'encre. Donc là, c'est très bien. C'est super chouette. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu aussi une petite Memory Dex de Camille. J'adore les Memory Dex, j'adore ça. Et puis, c'est le tampon de chez Caramel, designé par Kate Crane. Mais je le mets à la place de ma tête parce que c'est effectivement ça. Ouais, oh ouais, totalement ça. Ma tête. Non, j'adore, je kiffe. J'adore, j'adore. Je suis contente parce que j'ai eu plein de ces créas qu'elle a faites dernièrement. Donc, je suis très, très contente. Il y a autre chose, mais j'arriverai pas à ouvrir d'une seule main, peut-être. C'est un petit pot, c'est ton petit, le petit pochon rouge. Tu te rappelles de ce qu'il y a dedans? Alors, elle m'a fait du diamond painting sur des petits supports en métacrylate ou en plastique, je sais pas comment vous appelez ça, de Pâques. Donc c'est pas pour moi, je suppose que c'est pour ma fille, mais ma fille et moi. Mais je sais pas si je vais pas les prendre pour mettre sur mes sacs de scrap. C'est joli, hein? C'est joli, c'est joli. Je sais pas. À voir si j'ai envie de partager. Et puis, des petits pinceaux estompeurs, je pense, ou des pinceaux brosses de précision, un petit peu comme ceux-là, là, mais avec des pointes rondes un peu plus fines. Donc, je pense que c'est plus pour des choses plus précises. Oh, j'avais pas vu ça, mais c'est trop bien, t'es trop bien, t'es trop belle. Elle m'a offert ces petits tampons là de chez Caramel Studio qu'elle a dû acheter en double au salon Garo Scrap. Tu vois, je suis tes vidéos malgré tout. Hein. Je les suis. Elle les avait en double. Bon, mais c'est trop cool. Et puis du coup, même le petit tampon. Et sans le savoir, Camille, tu sais que ce petit tampon, il me faisait de l'œil. J'étais en train de chercher sur quelle planchette elle se trouvait. Il se trouvait. Mais après, j'ai abandonné puisque j'avais d'autres priorités d'achat Scrap. Et pour finir, attends parce que c'est pas fini encore, c'est encore là, attends, pour finir, Camille, j'ai trois enfants, elle se contente pas d'offrir qu'un seul paquet pour les trois, pour les cinq, hein, parce que mon mari et moi on mange aussi, qu'un seul paquet pour nous cinq, elle en offre un paquet à chacun. Donc on a trois paquets de 12 chocolats de Kinder chocolat. Et je te fais confiance, Camille. Je sais que Kinder a beaucoup de soucis en ce moment, mais je sais aussi que les Kinder chocolat n'en font pas partie. Puisque moi-même j'avais acheté des chocolats de Pâques de Kinder, évidemment, hein, parce que c'est les chocolats incontournables pour les enfants. Pour les fêtes de Pâques et quand j'ai vu l'affaire scandaleuse et tout le scandale s'est allé. Je vous ai fait les deux, scandalé, scandaleux, scandale, les trois même. J'ai été me renseigner et ce que j'avais acheté ne faisait pas partie des lots ramenés et puis les Kinder chocolat non plus parce qu'ils en avaient mangé. Mais par contre, les Kinder Surprise, là, les petits œufs, ma maman leur en avait acheté il y a 2 ou 3 semaines. Mais vous savez, quand ils ont des trucs comme ça, ça ne dure pas 1 heure ou 2. Hein. C'est mamie, elle donne et ils sont avalés aussi secs. Donc voilà, après, ils n'ont pas été malades. Je ne sais pas, je pense qu'il faut que j'aille les amener faire une prise de sang, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. À voir. Et tout au fond, il y a une enveloppe.
que j'allais passer à côté. En fait, je me suis dit, c'est juste une enveloppe pour le fond de la boîte, voilà, au cas où il y a les coups de cutter de la douane des fois. Et en fait, non. Au fond de la boîte, il y a une enveloppe blanche comme ceci, où elle a fait des tamponnages de ces oiseaux dont j'en étais fan aussi quand elle avait fait ses colorisations. Mais c'est trop génial, Camille, c'est trop trop génial. T'as lu dans mes pensées, quoi. Trop top. Et aussi ceci. Alors, je ne sais pas si c'est celle que j'ai. Je pense que c'est celle que j'ai, que les cheveux bouclés, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, au moins ils sont tamponnés. Et en plus sur du papier aquarelle, donc je vais pouvoir les aquareller, passer au néocolore surtout, ou au crayon de couleur aquarellable. Sur ce papier, ouais, crayon de couleur aquarellable. Ça va être top, ça va être top. Parce que les détails sont fins et mes néocolores sont pas taillés. Donc, après, moi je les taille d'une façon un peu bizarre, c'est que je prends le pinceau d'eau et je passe autour du crayon et du coup ça revient à la forme alambiquée. Ou sinon quand je taille, je suis obligée de les contenir dans un contenant un peu différent, dans des mini sachets, la couleur rouge dans un sachet rouge, parce qu'après je m'en resers comme étant pigment du coup aquarelle. Et ouais, mais là je viens d'avoir une idée. C'est quand je les taille, je les mets dans les petits godets vides là que j'ai dans ma palette d'aquarelle. Vous notez l'idée, hein, parce que moi je vais l'oublier. Alors, du coup, pour mon petit colis. Évidemment, c'était bien bien chargé, mais c'est terminé. Je remercie Corinne, je te remercie Camille. Je suis très très ravie de vos petits envois et du gros envoi de Camille. C'est super magnifique, c'est super magique d'ouvrir vos courriers, surtout quand on s'y attend pas. Donc il y a un espèce d'effet de waouh supplémentaire. Quand on s'y attend, il y a toujours le waouh, mais l'inattendu est encore plus magique en ce qui me concerne. Et en tout cas, quand c'est des choses positives. Et du coup, ben, je vais vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous répondre, les filles, sans souci et au contraire, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, les artistes. J'ai pas oublié. Bye!